Oui, bonsoir tout le monde. Après-midi, on voulait faire nous connaître qu'il y a des jeunes qui ont travaillé pour capable porter plus dans le cinéma, qui ont cherché porter innovation pour nous, que nous t'as supposé découvrir. So, aujourd'hui, là, j'aime te dire nous ça, moi, dans la projection, il y a un autre film encore que Kaonabo a fait dans Kingdom Hotel Haïti. So, on pense que c'est lui-même qui est en mesure pour capable de nous plus de détails de bel travail ça qu'il a fait dans le cinéma. Bonsoir, Kaonabo, comment est-ce? Bonsoir, Esteli, bonsoir, tout fanatique. Bonsoir à tout le monde qui remet le cinéma, Haïti ou à l'étranger. So, je veux dire, c'est juste cinéma. So, avant tout, présentez-vous tout les fanatiques qui tout nous ou, parce que je pense que vous avez remis qui est ce qui gros tonton monde ça, qui a fait bel travail ça. Moi, c'est Pierre Joisson, lui, un acteur qui a commencé dans le cinéma depuis 2011. Et après un pile parcours, un pile projet, mon d'abord qu'on aime avec Strong, avec Fednael, et puis Jodian, et son autre tendance et Cicatrice Pam qui est différent de l'autre projet que fait déjà. Bon, Kaonabo, est-ce que vous avez un petit détail de film ça que vous soutenez là? Nous t'avons que y a un teaser qui sorti déjà sur internet là qui est à fond paquet de paroles en pile et qui soit qu'a dit mon yo, qui soit qu'a dit fanatique yo de projet ça. Bon, directement c'est tout film n'a gué paroles en pile qui suscité ça. Et je pense que le projet ça a tiré de une histoire vraie, une histoire vive, et ça m'a vécu avec des amis. Et je toujours eu ça comme message, comme leçon pour me pour tout le monde qui a entendu, c'est que quelle que soit la situation, quelle que soit la condition où on a vivre, on doit apprécier la vie, on doit connaître que la vie son cadeau, son cadeau divin, on doit apprécier ça et remettre. Parce que le problème, on a parfois besoin de surpasser. Mais cicatrice qu'on a pile, mais il faut connaître que la vie précieuse. Problème là, mais waouh. Il y a des gens qui ont souri, qui ont content en même temps, mais s'il explique comment ça l'a traversé, ou qu'on a posé cette question, waouh, comment il fait sourire? Quand il joue un courage ça. Mais c'est ça, nous parlons, c'est ça, tout le monde va le découvrir comme top, comme toile de fond dans le projet ça. Il y a deux choses qui attirent dans le projet ça. Premier bagay, c'est que le projet ça, il n'y a pas si à l'avenir, il est disponible sur YouTube, c'est qu'il est disponible sur un website que je pense que en pile monde capable de regarder, ça c'est une bagay. Deuxième bagay qui intrigue, c'est que moi ouais que on prend deux acteurs qui c'est Christy et Lyon qui étaient censés dans un bif sur internet là et vous mettez au jouer dans le même projet. Je pense que ça c'est vraiment un acte vraiment professionnel que me dans mon bail public là en détail pour qu'ils sortent fait choix de deux monde ça et est-ce que n'a besoin de l'autre monde encore qui dans bif faire on mettre tête ensemble pour capable avancer dans le cinéma. Si que bif pas pour moi. Je toujours comprendre que le cinéma c'est nous sont seuls. Nous avons une leçon, nous voulons porter, nous avons un message que tout le monde a attendu de nous. So, l'important aujourd'hui, pour tout le monde qui est dans le bif, vous commencez à comprendre que, waouh, le business n'est pas moins de ça. Le public a attendu de nous. So, nous devons travailler pour nous remettre le public, là, ça va pas attendre de nous. La leçon, le message, là, le plus important, qu'il est dans le bif, il a shooté sous l'autre, il a voué les pieds. So, je pense que c'est la raison ça que moi, je vais contacter tout le monde. Par exemple, Fednael était de ce projet à tout, en plus l'autre monde était de ce projet à, pas seulement Christian Lyon. Et toutefois, je connais que des gens qui ont des problèmes, qui ont fait projet avec eux. Parce que ce sont des questions de cinéma pour moi, ce n'est pas une question de bif, ce sont même qui ont fait projet avec tout le monde. Et ceci, forme dit, il y a une grosse nouveauté à travers le projet ça, parce que c'est quand je suis sur YouTube avant 2 ans, là, il y a un site qui c'est Ragout TV et il facile et simple pour tout le monde jouer un projet ça sur téléphone ou par mon cash ou même qui Haïti PayPal n'importe 4 de crédit Mastercard tout est disponible sur lui. Je pense que à partir de aujourd'hui l'éclat est disponible sur réseau 1 à travers en pile channel que tout le monde qui joue l'éclat si vous pas jouer l'éclat ou absolument monter sur Google Chrome ou après que Ragout TV et puis la bonne formalité à qui simple pour garder film pour gagner sur téléphone nous pour porter pour nous et critique pour porter pour nous et tout ça qui a aidé nous avancer et faire plus fort. Et grand pile monde qui dit que jeunes de nos jours nous acteurs et actrices nous yo juge que nous pas faire cinéma non seulement par rapport à comportement yo, et ensuite par rapport avec nous techniquement nous pas gain cinéma nous pas gain son nous pas gain image qui garantit capable bailler à public ça qui va regarder film ça
comment techniquement parlant, comment projet ça est? Directement, cicatrice PAM, nous même dans la famille Kaonabo, nous prenons plus de temps. C'est courant d'idée, c'est Jean pile moun ka toujours dit. Je ne pas faire cinéma, mais au fond, c'est pas vrai. Même dans moun ka pété zin, même dans moun ka fait pile de boche, même dans moun ki gen problème entre yo, a gen le son poté. Bon, c'est vrai, c'est pas ça le public la patente, c'est pas ça tout le monde la patente. Mais je dis, en deux cicatrices PAM, son l'autre bagaille. Nous pas faire jolé, nous pas pas dire que non plus bon. Et même parce que, même gens où te font poste de Richard Sénégal, qui te parlé de ça, ouais, bon, en plus le bagaille te dit, m'te commenté en bas, m'te pas avis PAM, et m'après dit ça, il y a un pile de jeunes qui ont travaillé, il y a un pile de jeunes qui ont besoin de collaboration, ils ont besoin de. Ils ont besoin de support, ils ont des capacités. Je pense que la réalité, on parle devant tout le monde là. Devant tout le monde qui va regarder sur Agout TV. Et ils ont tout capoté. Ils ont tout capoté mot par eux. Ils ont dit qui ça a compris. Est-ce que réellement pas de cinéma? Et toute dernière question. Comment ça y est pour nous-mêmes dans Stafou? Est-ce que vous jouez un encadrement? Est-ce que vous jouez un sponsor? Comment ça y est à chaque projet qu'on gagne? Ou faire une projection d'abord que m'a invité tout l'autre acteur actrice t'a supposé suivre Kaonabo sur ligne ça. So comment ça y est par rapport avec sponsor? Sponsor c'est famille Kaonabo. C'est eux même qui tout, c'est nous fait toutes deux marches pour nous réussir projet là. Moi c'est l'important aujourd'hui pour en pile et entreprise connaît que des jeunes qui a fait cinéma et ont mérité pour un jeune accompagnement. Mais jusqu'à présent nous été avec ça nous gagne, nous était avec ça nous posséder ça équipe la gagne comme activité comme moyen et puis nous réussi bel projet ça j'en ai habitué faire déjà. D'accord, merci beaucoup. C'est un plaisir pour me faire un petit parler ensemble avec Kaonabo de projet ça qui a sorti jeudi hein. Si qui c'est cicatrice PAM parce que n'a besoin d'opportunité pour nous recevoir sur plateau Westerly Show pour plus de détails pour l'autre activité que il fait. Un dernier mot pour tout le monde qui a regardé et pour toute fan nous qui va regarder projet ça. Le monde entier, l'important pour nous connaître et comprendre que même si on a un cinéma dans tout le pays, Haïti a un jeune qui a fait cinéma. Il y a un jeune qui a un talent, un jeune qui a une capacité. So, à travers le projet ça, qui est Cicatrice PAM, je souhaite tout fanatique Kaonabo, tout fanatique cinéma, tout le monde qui a attendu là, à découvrir la réalité. Et si nous même nous prêts, j'aime toujours dire. Je pense que les fanatiques Westerly, tout le monde qui est dans le cinéma, elle dit non, qui ça gagne comme problème. Et puis nous même parce que nous avons mes conseils, nous avons nous avancer, nous avons nous progresser. Et nous comprenons que qui côté nous devons arranger, qui effort de plus nous devons faire pour nous avancer avec le cinéma. Parce que c'est priorité, c'est priorité tout le monde qui a gardé, qui a attendu, qui a travaillé dans le domaine en Haïti. Merci Westerly, merci tout fanatique. Un plaisir. So, nous allons regarder. Merci Kaonabo. Rendez-vous sur Agout TV pour Cicatrice PAM.